bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je pense que ça va être le début des vlogs en décalé. Je vois beaucoup de youtubeuses qui font... qui vloguent en fait, mais qui publient genre 2 ou 3 jours après. Certainement par manque de temps. C'est vrai que jusque-là, je comprenais pas trop ce fonctionnement. Aujourd'hui, je le comprends parce que j'ai du mal à faire mon montage chaque soir en fait. Donc, ça va être des vlogs en décalé maintenant. Parce que là, j'ai encore le vlog d'hier qui est toujours pas monté ni mis en ligne, évidemment. Donc, je vais essayer de m'en occuper ce soir. Je pense que je vais pouvoir, puisque demain, il y a école. Donc, les enfants ne vont pas veiller tard ce soir. Mais malgré tout, c'est un peu compliqué. Du coup, aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour parce que... c'est l'anniversaire d'Adam. Évidemment, il n'est pas levé. Je ne suis pas sûre qu'il se lève avant que je parte non plus, ça m'étonnerait. En temps normal, le mercredi, je ne le vois pas le matin. Mais je suis très contente pour lui. Il attendait ce jour avec grande impatience. Ça fait des semaines qu'il en parle, hein, que ça va être son anniversaire. Aujourd'hui, on y est. Donc là, je m'installe actuellement au petit-déj parce qu'il est actuellement 7h13, actuellement. Et donc, je vais prendre mon petit-déj, terminer ma préparation et partir. Je suis en même temps en train de me faire cuire une poêlée de légumes pour ce midi parce que j'ai complètement zappé de me faire manger hier soir. Et en fait, hier, j'étais tellement dégoûtée par ce qui s'est passé au boulot que, au final, je suis rentrée. Enfin, j'ai passé ma soirée avec les enfants. Après manger, on a eu une grande discussion, conseil de famille, sur le projet de déménagement. Et il y en a qui ont changé d'avis. Et il n'a pas dit qu'il avait changé d'avis. Mais Adam, il a changé d'avis. Ah oui, Adam, il a changé d'avis. Mais comme il a dit qu'il réfléchit. Et en fait... du coup, voilà, j'ai laissé les enfants veiller. Ce matin, il n'y avait pas d'école, hein, à part pour Elsa. Mais Elsa, elle n'est pas allée se coucher trop tard. Dis donc, c'est le matin, j'ai du mal à parler. Donc, ça va. Mais du coup, moi, je suis allée me noyer dans un bain. Et en fait, j'y suis restée 3 plombes, quoi. Bon, ça m'a fait du bien, hein, avant de dormir. J'avoue que je me suis endormie hyper facilement hier soir. C'était agréable. Enfin, agréable, je m'en suis même pas rendu compte. Mais c'était agréable quand je me suis réveillée ce matin, parce que j'ai eu aucun réveil cette nuit. Là, je me suis vraiment réveillée au moment où le réveil a sonné. Ça fait du bien. Alors, peut-être que la conversation avec les enfants hier m'a un peu rassurée et apaisée, peut-être. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment mieux dormi cette nuit. Donc, aujourd'hui, ça va être... alors, pas vraiment le dernier jour d'intensité, mais aujourd'hui, on devrait normalement essayer de finaliser... l'envoi des manteaux, puisqu'ils sont pas censés partir demain après-midi. Moi, normalement, je termine aujourd'hui le contrôle, et demain, techniquement, je ne ferai que de l'emballage. Donc, normalement. Enfin, bref, du coup, là, je pars travailler. Ce soir, quand je vais rentrer, Adam aura une surprise, à laquelle il ne s'attend pas. Mais j'aimerais bien que vous ne lui disiez pas, d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est. C'est que papa y vient, pour le goûter. Moi, de toute façon, je lui ai promis que je dirais pas. Non, c'est pas son cadeau d'anniversaire, mais c'est une surprise, il le sait pas. Imagine, il va être content. Imagine. Donc effectivement, quand je vais rentrer du boulot, la nounou, elle aura fait le gâteau avec Elsa. Et... oh, j'ai oublié de prendre des boissons. Mais tu les prendras en ensemble. Ah non, tant pis, on prendra du multifruit, du Perrier-Monte et tout ça. Tant pis. Merde. Au pire, tu vas en acheter à ta pause. Oh, j'aurais pas le temps. Franchement, je cours partout en ce moment. Et là, je pense que je vais faire des heures sup ce midi. Donc, c'est bien pour ça que je me prépare à manger avant de partir. C'est que je vais pas avoir le temps d'aller m'acheter un sandwich. Donc, tant pis. On a des jus d'orange, des multifruits. On prendra ça. Et des sirops. Bon, bref. Du coup, je vous reprendrai ce soir quand je rentrerai du boulot. J'essaierai de filmer un petit peu l'anniversaire de Adam, mais sans être trop invasif parce que... leur père sera là. Et puis, après, on fera notre soirée. Hein. J'ai pas mal de trucs à faire ce soir, donc là, on se reprend ce soir.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Adam. Joyeux anniversaire. Bon, je vous reprends quelques minutes après. Je sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 17h46, si je vois bien. 47. C'est le bordel, hein, bien sûr. Adam a ouvert ses cadeaux. On a mangé le gâteau, qui est très très bon. Et en fait, il a eu un drone. Ils ont envoyé le drone dans la gouttière. Donc là, c'est bon. Tu vas t'ouvrir, maman. Papa a récupéré le drone dans la gouttière. Et bah, du coup, ils sont repartis dehors jouer avec le drone. Tiens, c'est bon. Allez, j'arrive. C'est papy. Oh, papa, papa, papa. Non, c'est mamie. Ok, alors, je souhaite un anniversaire à Adam. Gros bisous, mamie, papy. Gros bisous aussi à... toute la famille. Toute la famille. Merci, mamie. Merci, papy. Je vais lui donner la carte que ma maman lui a envoyée. Donc il a eu son Alexa, qui n'est pas encore paramétré, mais on va lui mettre dans sa chambre en fait. Le but c'était pour qu'il puisse écouter sa musique, parce qu'en fait il écoute toujours sur celle qui est dans le salon et moi je n'en peux plus. Parce qu'en fait il écoute Imagine Dragons en boucle. En fait je suis pas la seule à ne plus en pouvoir. Moi aussi. N'est-ce pas ? Donc ouais là, quand même. Hein. Donc bon bah on va finir notre petite soirée et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour clôturer ce vlog. T'as pas fait un petit papier plié avec marqué Adam dessus? Non. Oh. C'était quoi? Ah, il est là. Non, c'est pour Adam. Cadeau de Adam. Bon allez, on vous reprendra tout à l'heure. Bon, bah, finalement je vous reprends, on est jeudi matin. Je crois que les vlogs sur une journée, c'est bien compliqué. J'ai du mal, je suis fatiguée, j'ai du mal à voir le jour et voilà. Là, on est jeudi, il est 6h45 et je suis aujourd'hui toute seule au petit déjeuner parce que, en fait, Adam m'avait demandé d'aller le réveiller hier soir pour qu'il m'accompagne au petit déj. Non, il voulait prendre son petit déjeuner ici. Et en fait, je suis allée le réveiller, j'ai commencé à lui mettre sa robe de chambre, il s'est retourné dans son lit, j'ai dit bon bah écoute, tu prendras le petit déj à la mairie parce que j'avais pas envie de me battre et puis à la fois j'avais pas le temps non plus parce que c'est toujours, c'est ça en fait qui me met en retard à chaque fois. Donc j'espère que tout à l'heure il va se lever correctement. Donc là bah je vais prendre mon petit déj et puis après j'irai les réveiller. Là pour l'instant moi je suis passée à la salle de bain, j'ai lancé une lessive, j'ai rangé un petit peu dans la cuisine, mais voilà, hier c'était l'anniversaire d'Adam, donc il y a encore pas mal de trucs à ranger. Il faut que je lance le lave-vaisselle aussi avant de partir. Donc aujourd'hui, bah, journée de boulot, je vais terminer les manteaux ce matin, normalement, peut-être début d'après-midi, et je pense qu'après on va me mettre sur les masques. Et j'ai pas du tout envie d'aller sur les masques. Mais j'ai pas le choix, ça fait partie de mon... enfin c'est mon boulot. Donc je vais devoir y aller. J'aurais tellement aimé qu'ils me mettent à couper les fils et à emballer. Mais je crois que c'est pas ce qu'ils ont prévu pour moi. Surtout que les deux repasseuses ne savent pas piquer. Donc là, en fait, en gros, on va être trois à terminer notre travail aujourd'hui. Puisque les deux repasseuses et moi-même, on n'aura plus rien quand les manteaux seront partis. Et bah, sur les trois, je suis la seule à savoir piquer. Et je pense pas qu'il y ait besoin de trois personnes pour couper les fils et emballer. Donc bon, je pense que je vais aller en piqûre et ça va être la grosse galère parce que les masques ont l'air hyper compliqués à faire. Parce que même mes collègues qui sont formés de métier hein, dans la couture, bah elles ont du mal. Donc moi j'imagine pas. Voilà. Donc ben on verra bien. En tout cas, je vous reprendrai ce soir après le boulot. Et puis ce soir, il faudrait que je m'active au ménage. Il va falloir que je trouve en moi le courage parce que vraiment je suis fatiguée et j'ai du mal. Mais là, il y a besoin quand même.
Bon, je vous reprends, il est 18h40, je suis en train de faire à manger. On va manger plus tard que prévu aujourd'hui, puisque habituellement on se met à table à 18h, à 19h, pardon. Mais là, le temps que ça cuise, ça sera pas prêt. Donc je pense qu'on va plutôt manger vers 19h30, malheureusement. Mais bon, en même temps, les enfants veulent jamais aller se coucher avant 21h, donc on sera quand même dans les temps. Du coup, je suis rentrée il y a une bonne heure maintenant. J'ai fait les leçons avec les enfants, un peu compliqué avec Adam, hein, j'ai envie de dire comme d'habitude. Du coup, bah, il est déjà privé de son cadeau d'anniversaire, ça va vite, puisque il retrouve son comportement d'avant où il me faisait colère sur colère, j'ai pas envie de faire mes devoirs, je veux pas travailler, voilà, ce genre de choses. Donc, je lui dis, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de récompense. Voilà. Donc, je pense qu'il va comprendre parce que jusque-là, il avait très bien compris et ça se passait très bien. Mais en tout cas, pour l'instant, Alexa, elle est là et c'est moi qui la garde. Donc évidemment, là maintenant, il est doux comme un agneau hein, parce qu'il veut la récupérer. Donc, il fait tout ce qu'il faut pour la récupérer. Donc, là, on verra d'ici demain comment ça va se passer. Du coup, aujourd'hui, eh bien, j'ai passé une bonne journée au travail. Je suis retournée sur les masques. Je suis trop contente. En fait, ça y est, les vestes sont parties. Donc, mon travail est terminé. Enfin, il nous en reste 8, mais en fait, pour les faire, on a besoin de matériel. Et on l'attend, en fait. On l'a demandé, mais pour l'instant, on n'a toujours rien reçu. Donc, on verra quand on les aura pour les finir. Mais en tout cas, le plus gros est parti. Donc, c'était un grand moment, surtout qu'il nous en manquait un. Et j'avais dit à ma sous-chef, j'avais dit à ma chef d'atelier, et je comprends pas, normalement, on avait le compte, j'avais compté en début de prod, on avait bien le bon nombre et tout. Elle me dit, bah, il me semblait bien aussi. Et puis là, en fait, il est passé à quelle heure? Ouais, il a dû passer vers 11h, je crois, le gars. Ou non, vers 10h. 10h, 10h30, je sais plus. Et en fait, quand il est arrivé, il nous restait 3 blousons à repasser et à emballer. Et le truc, c'est que de toute façon, quand il arrive, en fait, déjà le temps qu'il se gare devant l'usine, qu'il, je sais pas, il doit remplir des papiers dans son camion parce qu'il met toujours 3 heures à descendre, et qu'il entre, qu'il compte tous les vêtements qu'il doit emmener, qu'il charge le camion. Franchement, on avait largement le temps de repasser les 3 vestes manquantes. Donc c'est ce qui s'est passé. Ensuite, bah, il a chargé son camion et en fait, en chargeant le camion, moi j'en avais compté 212. Et là, il charge le camion et il me dit, il y en avait un qui était tombé. Alors moi, un peu quiche sur les bords, je me dis, ouais, bah tu le ramasses, en fait. Et là, comment ça? Il me dit, bah, il y en avait un qui était tombé. Ouais. Il me dit, bah, du coup, on l'a compté ou on l'a pas compté? Je dis, mais tombé, c'est-à-dire? En fait, on accroche les cintres les uns derrière les autres et en fait, il y en a un qui s'était décroché de la tringle, il était tombé entre 2 vestes et il était en fait accroché sur le col de la veste de devant. Et comme nous, on compte au crochet de cintre, eh ben, en fait, on en avait oublié un. Donc très contente parce que du coup, celui qu'on ne retrouvait pas depuis 2 jours avec ma chef d'atelier, ben, on l'a retrouvé au moment du chargement du camion. Donc c'est parfait. Du coup, ben, tout est parti. On est tranquille jusqu'à réception des matières dont on a besoin pour faire les autres. Et puis ben, du coup, on est reparti sur les masques. Alors les masques, honnêtement, ça me fait peur. Parce que en fait, on a une très grosse commande de masques. Donc, c'est effectivement pour l'État. Mais on a, en gros, 51 000 masques à confectionner en 3 semaines. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le cacher, c'est un petit peu flippant parce que je pense qu'on n'aura pas fini. En fait, ma patronne, elle cherche à recruter autant que possible. Sauf que là, on avait trouvé quelqu'un, mais en fait, la fille, elle n'est pas restée. Elle a fait 3 jours en immersion, elle a dit c'est mort, moi les conditions de travail, c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas le droit de parler.
Alors, elle n'a pas aimé qu'on n'ait pas le droit de parler, enfin qu'on puisse pas parler pendant les heures de travail. Elle n'a pas apprécié qu'on n'ait pas de pause. Parce que c'est vrai que nous, on travaille 8 heures par jour. Enfin, en ce moment, 8 heures par jour et on n'a pas de pause le matin. Si on veut prendre une pause, en fait, on doit la récupérer sur notre pause déjeuner. Ce qui veut dire que si on prend genre 10 minutes pour aller prendre un café le matin, ben, on aura 10 minutes de moins sur la pause déjeuner. Donc évidemment, personne ne prend de pause, puisque déjà la pause déjeuner, une heure, c'est pas très long, donc on ne tient pas à la raccourcir. Hein. Mais du coup, bah ça, et puis le fait que bah, ma patronne, quand elle a des choses à nous dire, en fait, elle vient, c'est pas systématique, mais c'est vrai que souvent, elle vient à la fin du travail, en fait, c'est-à-dire nous, on finit à 17h, et en gros, elle nous réunit à 16h55 pour nous parler, quoi. Donc bah du coup nous on part de l'atelier, il est au final 17h10 quoi. Et ça elle a trouvé que c'était pas normal, que si elle avait des choses à nous dire, elle devait nous les dire pendant les heures de travail. Et là-dessus je suis totalement d'accord. Le souci c'est qu'on est tellement débordé de travail parce qu'en fait elle a accepté je pense beaucoup trop en quantité par rapport à ce qu'on est capable, enfin ce qu'on est en mesure. Parce que capable, on est capable de faire, il y a pas de problème, c'est juste que compte tenu de l'effectif qu'on est, la quantité qu'elle a acceptée, c'était beaucoup trop pour être réalisée dans les temps demandés, en fait. Et donc là, ben, on se retrouve avec un objectif de production qui est énorme. Et clairement, je suis pas certaine que ce soit terminé le 18 décembre comme demandé. À mon avis, on en a jusqu'à Noël. Et encore, je suis même pas sûre qu'on ait une semaine de vacances à Noël. Normalement, c'est prévu qu'on ait une semaine. Et j'espère, parce que moi j'ai mes enfants pendant une semaine, donc il va falloir que j'ai les vacances quand même, je vais pas les laisser tout seul. Sauf si mes parents viennent. Comment? Dans ce cas-là, bah, les enfants seront avec mes parents. Mais j'avoue que ouais, ça m'a un peu fait réfléchir les remarques qu'elle a faites, mais bon. En tout cas, c'est vrai que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et bah du coup, sur les masques, moi, je pensais être au contrôle aussi, puisqu'il y a du contrôle aussi sur les masques. Et en fait, bah non, je suis en piqûre. Donc, bah, évidemment, ça se passe bien. Je sais piquer, il n'y a pas de problème, mais je suis pas rapide. Donc, bah forcément, je fais à mon rythme. Hein. Là où certaines de mes collègues en font plus de 200, moi, j'en ai fait 101. Voilà. Enfin, après, mes collègues, elles ont fait ça toute la journée. Moi, j'ai fait qu'une demi-journée. Donc, et j'en ai fait 101. Donc, sur la journée, j'aurais pu en faire 200. Mais, genre, ma collègue, je connais pas son niveau de couture, mais qui est arrivée juste avant moi, elle en a fait 213 sur la journée. Donc, je pense pas que si j'avais fait la journée complète, j'en aurais fait 213. Je ne pense pas. Mais, je serais à peu près dans les mêmes, dans le même niveau, quoi. Donc, on verra bien demain ce que ça va donner sur une journée complète. Donc là, j'ai préparé des pommes de terre, puisque ce soir, c'est tartiflette. Donc, j'ai épluché les pommes de terre, je les ai coupées en rondelles. Je vais aller les laver et les mettre à cuire. Et ensuite, bah, le temps que ça cuise, je vais regarder ma petite série avec Elsa. Puisque j'ai fait tomber mes épluchures de pommes de terre dans l'évier. J'ai cru que c'était le sachet de pommes de terre, je me suis dit oh non, mais non, ça va. Donc on va regarder notre petite série avec Elsa, là on regarde Ici tout commence, ou tout commence ici, non Ici tout commence, sur TF1. Et bah, du coup, après ça c'est DNA, hein, comme d'habitude, on se fait notre petite soirée comme ça. Et puis quand c'est fini, moi je regarde après le replay de Famille XXL, là qui passe sur TF1. Et puis voilà. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais j'ai été contactée pour participer à cette émission. Ils cherchaient en fait une maman solo de famille nombreuse et ils m'ont contactée via Instagram, donc grâce à mes réseaux évidemment. Je vais cacher la lumière, j'essaye. Mais en fait, pour participer à l'émission, il me fallait l'accord du père des enfants qui a catégoriquement refusé. Donc, nous ne participerons pas à l'émission, à mon grand regret, parce que quelque part, je me dis, c'était un peu pour moi l'opportunité rêvée. J'essaye en fait de vous épargner la lumière qui brille derrière moi, mais j'y arrive pas. C'était l'occasion rêvée en fait de faire décoller mes réseaux et ma carrière d'influenceuse, si elle peut démarrer un jour. Je n'y crois plus, j'avoue, mais bien que là, j'ai une collab en attente. D'ailleurs, il faut que je vous parle aussi de ma
Nouvelle collab La La Lab. En fait, j'arrête pas avec La La Lab et j'adore. Donc, j'en parlerai toujours autant. Faut juste, avant que je vous en parle, faut juste que je vérifie mon code promo parce que je sais plus, en fait, si ils m'ont remis le même que d'habitude. Oh, qu'est-ce que t'aimes sur, pardon sur pour La La Lab? Bah, parce que c'est plein de trucs de décoration. Là, par exemple, ouais. ça m'a payé. En fait, ce que j'ai, la collab là pour laquelle j'ai participé, en fait, c'est le cadeau de Noël de ma maman. Donc, c'est juste génial. J'allais commander. Et on me propose en collab. Et ben, c'est génial. C'est la même chose que je lui ai commandé l'année dernière, sauf que l'année dernière, je l'avais payé. Cette année, bah, c'est une collab, donc c'est plutôt cool. Donc, bah, je suis très contente. Alors, il faut que je mette mes pommes de terre à chauffer avant de quitter la pièce, quand même. Et puis, du coup, je vais regarder le mail qu'ils m'ont envoyé pour vérifier mon code promo. Alors, ça va peut-être être mal cadré, là, le temps que j'aille au micro-ondes. Attention. Et dès que j'ai vérifié mon code promo, je vous en parle. Donc, certainement dans la clôture ce soir. Je vais regarder ça de suite. Alors, micro-ondes, 850, demi-heure. Une demi-heure. Ouais, parce qu'en fait, j'en ai mis beaucoup des pommes de terre. J'ai fait en sorte de faire beaucoup de tartiflettes pour en avoir pour demain ma gamelle. Ouais. Voilà, allez, go. Ouais. On change de pièce. Et donc, je sais plus ce que je disais. Oui, il faut que je vérifie mon code promo et dès que j'ai vérifié, je vous redis ça. Et puis, du coup, je vais avoir une nouvelle collab et celle-là, je suis trop contente parce que c'est marrant parce que Anaïs m'en a parlé il y a pas longtemps. Elle me dit, oh, tu connais ça? Alors, je lui dis, bah, je connais le principe, je connais pas forcément cette marque, mais oui, je connais le principe, mais j'ose pas tester. Et je lui dis, j'ai peur d'être déçue. Et comme, bon, je vais pas dire que c'est cher, parce qu'à l'achat, ça doit coûter 25 euros, c'est pas énorme. Mais je me dis, payer 25 euros, si au final, je m'en sers pas, ça sert à rien. Donc, du coup, j'avais pas tenté. Et puis, j'ai reçu un mail, encore une fois, via ma chaîne YouTube, donc c'est génial. J'ai reçu un mail, en fait, qui me propose une collaboration avec cette marque. Donc, je suis très, très contente d'utiliser, enfin, de pouvoir tester parce que, bah, parce que ça va dans le principe de, bah, du zéro déchet, de l'écologie, de l'économie. Donc, toutes mes valeurs, quoi. Donc, je suis très contente. Donc, je vous en reparlerai. Là, j'attends, en fait, la livraison là de l'article. Et puis, j'aurai un code promo à vous proposer. J'aurai plein de trucs. Franchement, c'est chouette. Je pense même qu'on va faire un concours sur Instagram, je pense. On peut montrer. Ah, attends, je vais vous montrer le drone qu'il a reçu par son papa pour son anniversaire. Voilà. C'est trop beau. Mais c'est vrai qu'il est beau. Noir et jaune. Ouais. Et donc, fait... donc voilà. Bon bah du coup je vais clôturer. Regarder mon petit feuilleton. Oui, j'allais dire. Je vais plier du linge en même temps puisque j'ai mis une lessive à sécher ce matin. Non, hier. Elle était asséchée hier soir. Hier. D'ailleurs, je vais du coup avant de lancer le feuilleton parce que j'ai mis la chaîne en pause en fait. C'est quoi le feuilleton? Bah c'est ici tout commence. Je vais déjà aller faire sortir Elsa de la douche parce qu'elle met encore 3 heures, elle va vider le ballon, encore une fois. Ensuite, je vais descendre ma lessive à mettre au sèche-linge, récupérer celle qui est dans le sèche-linge pour la plier et on va faire tout ça devant la télé. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 21h10. Je suis dans la cuisine en train de ranger puisque mes enfants ont vidé le lave-vaisselle. Donc, à mon tour, je le remplis. Et... je viens d'aller les mettre au lit, là, c'était un petit peu mouvementé, je dirais. C'est mouvementé parce qu'en fait, j'en ai marre de la mauvaise foi qui règne dans cette maison. Je vais essayer de vous poser et de vous régler. J'en ai marre de la mauvaise foi, en fait, de mes enfants. Pourtant, je ne crois pas les avoir éduqués comme ça, vraiment pas. Et pourtant... Il y a du niveau, je vous garantis qu'il y a du niveau. Alors, je suis désolée, je vais quitter l'écran de temps en temps, mais je suis là. Hein. Je sais pas. Là, je leur ai dit que... Parce que j'en ai clairement marre, en fait, de devoir re-nettoyer ma journée, ma maison, tous les soirs. J'en ai ras-le-bol. Je passe ma vie à faire le ménage alors que je travaille. Je ne suis pas là de la journée. Mais quand je rentre, eh ben, je sais pas. C'est comme s'ils avaient été 8 en mon absence, quoi. Donc, j'en ai marre. Ça fait 4 fois que je le dis, je pense que vous avez compris. Donc, bah là, j'ai posé des conditions et si elles ne sont pas respectées, bah, c'est une histoire qui va mal se terminer parce que
J'en ai marre. Voilà. Donc, on va voir si ça les fait réagir, en fait, ce que j'ai dit là. Honnêtement, je ne pense absolument pas. Mais on verra. Je leur ai dit que de toute façon, s'ils continuent à faire un tel bazar en mon absence, parce que du coup, après quand je rentre, je leur dis faites pas ranger ci, ranger ça, parce qu'ils ont tout déballé. Mais en fait, ils font rien. Je pense qu'ils ne m'écoutent même pas. En fait, je pense. C'est la même chose que d'habitude, donc on s'en fiche. Je pense que ça doit être ça dans leur tête. Je sais pas. Donc, je leur ai dit que si demain je rentre et que la maison est dans le même état, je les inscris à la pairie le soir aussi, parce que j'en ai ras-le-bol. Là, j'ai reçu la facture et j'en ai déjà pour cher. J'ai reçu la facture là pour le mois de novembre. Et alors, du coup, ça me coûtera la même chose quand je serai facturée avec Com en plus, parce que au final, le fait que je sais plus si j'ai coupé cette séquence, mais j'avais oublié d'inscrire Marceau à la pairie en fait quand j'ai inscrit Adam, je sais pas pourquoi, j'ai pensé avoir fait les deux et en fait non, j'avais fait que Adam. Et du coup, c'est l'animatrice en fait qui les accueille le matin qui m'a dit, par contre, faudrait voir parce que Marceau n'était pas inscrit. Donc je dis mais je comprends pas. Pourtant il me semblait bien l'avoir fait. Et elle me dit non, il n'était pas inscrit. Je vais devoir déplacer toutes mes assiettes dans le lave-vaisselle. Donc j'ai regardé. Effectivement, il n'était pas inscrit. Du coup, je l'ai fait là, quand elle m'en a parlé. Sauf que tous les jours, en fait, où ils ont accueilli Marceau, alors qu'il n'était pas inscrit, en fait, ils me les ont facturés double. Voilà. Donc là, c'est comme si, en gros, j'avais payé pour Com aussi, quoi. Donc, c'est un petit peu... Ça me saoule un peu, en fait. Mais je vais payer ma facture, hein. C'est assez normal. Mais ça m'a saoulée quand même. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Après, c'est de ma faute, hein. Donc, j'assume les conséquences de mes actes. Mais ouais, j'étais un peu dégue. Donc là, j'ai reçu la facture 232 euros pour tous les jours, la cantine pour 3. Pour la pairie pour 2. Là, il y a eu peut-être 3 jours où il y avait Com. Donc, non, mais même pas. Com, il y est allé là sur le mois de décembre. Il y va depuis mardi. Donc, Com, ça sera sur le mois de décembre. Donc là, en fait, c'est comme si je les avais mis tous les 3 matin, midi, en fait. Les 232 euros. Donc, ça veut dire que je vais rajouter le soir en plus. Donc, ça veut dire que je vais en avoir pour 60 euros de plus, quoi. Donc, 300 balles, juste pour les faire garder. Mais c'est bien parce que, en fait, si j'en ai pour aussi cher, c'est tout simplement parce que je fais des heures sup et que ces heures sup ne me sont pas payées. Donc c'est bien, moi ça m'occasionne des frais, mais pour des heures pour lesquelles je ne suis pas rémunérée, en fait. Donc, évidemment, elles ne sont pas gratuites, hein, ces heures-là, c'est pas donné non plus. Mais voilà, ma patronne, en fait, elle nous les fait récupérer. Sauf que nous, ça ne nous intéresse pas, en fait, de récupérer les heures. Parce que déjà, on en a fait tellement qu'on ne sait même pas comment on va pouvoir les récupérer. Là, on ne sait même pas encore si on va avoir une semaine à Noël. Tellement, elle a accepté une commande qui est incompréhensible. Mais voilà, forcément, hein, l'argent, hein, pour faire tourner une entreprise, surtout dans le contexte actuel, elle prend en fait tout ce qu'on lui propose, sauf qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez nombreuses pour faire le travail... Qu'elle accepte en fait. Donc, elle cherche à recruter. Si vous connaissez des gens qui habitent vers chez moi, qui cherchent du travail, et j'ai un travail à leur proposer. Quelqu'un qui s'est piqué là, honnêtement, il faut accepter les conditions aussi, hein, parce que c'est pour travailler 40 heures par semaine, payer au SMIC, travailler 8 heures avec juste. Désolée pour le claquement des assiettes. Travailler 8 heures. Avec juste une heure pour déjeuner, pas de pause, hein, ni le matin, ni le midi, enfin ni l'après-midi, pardon. Tout le monde n'accepte pas ça. Hein. On avait une,
J'en ai déjà parlé, je crois, mais on a eu une collègue, là, et elle n'est pas restée, quoi. Parce que les conditions, elle ne trouve pas ça normal. Et on est toutes d'accord avec elle, hein. C'est juste que, voilà, si elle a pris le choix de s'en aller, c'est qu'elle n'a pas hyper besoin de travailler. Sinon, elle aurait pris le job qu'on lui propose. Enfin, moi, c'est un job que j'ai pris parce que j'avais grandement besoin de travailler. Et honnêtement, voilà, je m'adapte. Je me plains un peu, hein, ces derniers temps, j'avoue. Je me plains un peu parce que j'en ai marre. En fait, je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Mais après, je ne vais pas faire ma causette. Je suis la seule à être dans cette situation, à être seule avec 4 enfants à gérer. Je ne vais pas aller faire ma causette en disant « payez-nous les heures ». Ben non, parce qu'il n'y a que... Enfin, après, mes collègues, je pense qu'elles préféreraient aussi avoir leurs heures de payer plutôt que récupérer. Mais personne n'en parle. Donc, moi, si je vais dire quelque chose... Enfin, clairement, c'est pour défendre ma cause. Ce n'est pas pour mes collègues. Et je ne me vois pas du tout aller voir ma patronne pour lui dire ça, quoi. Surtout que là, je me voyais plutôt aller la voir pour lui demander pour avoir mes mercredis après-midi. Donc, je ne sais pas si elle va me les accorder. Après, je pense que si je fais la demande, de toute façon, ça sera pour janvier. Maintenant, ça sera pas là maintenant. Je suis même pas sûre qu'elle me les accepte, en fait. Parce que, je le répète, hein, elle a accepté une telle charge de travail qu'elle va avoir besoin de personnel à temps plein, quoi. Moi, je serai plus à 100%, du coup. Donc, il y a tellement de bazar dans ma cuisine. Je sais même plus par où commencer. Du coup, je vais finir de remplir mon petit lave-vaisselle. Et puis ensuite, je vais aller monter ce vlog qui ne sera toujours pas en ligne demain. Ce sera celui d'hier qui sera en ligne demain. Et puis... Quoique, qu'est-ce que je raconte? On est quoi? Si, oui, c'est ça. Ce sera... Je sais même plus ce que je vous ai mis en ligne aujourd'hui. Bon, j'arrête de blablater pour ce soir parce que j'ai encore pas mal de boulot. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et je vous remercie beaucoup pour vos commentaires bienveillants, pour votre soutien, vos encouragements. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !